d'amour. Bonjour. Coucou mes amis, waouh! Alors, ça fait un petit moment que je suis pas venue parce que j'étais pas mal malade, j'ai des vertiges ménières. Je le souhaite à personne. J'ai un petit chat Ivy qui miaule parce que je veux pas, parce que j'ai fait un studio dans ma chambre. Donc, pour l'instant, elle est avec mon fils et c'est très bien comme ça. Alors, aujourd'hui, alors oui, j'ai un décolleté, mais c'est pour tout à l'heure. C'est pour la vidéo que je vais spécialement dédicacer à Bobos Papan. Je suis avec une lampe blanche, mais de luminothérapie. Voilà, c'est une grosse lampe, enfin, ça fait un peu comme une lampe de studio. Voilà, donc on y va. Je vais vous présenter mon action, réaction. Bon, j'ai chaud quand même. Ouais, mais non, mais je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas. Voilà, alors tant pis, je serai comme ça. Alors, j'ai acheté ceci, je l'ai payé 13 euros. En fait, c'est une petite armoire, mais je trouve qu'elle est pas mal du tout, parce qu'elle est verte comme j'aime. Voilà. Donc, ça sera un petit décor comme ça, dans les tons verts, voilà, avec une armoire, avec voilà, tout rangement. Donc, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je n'ai pas fait le montage encore, mais voilà, je l'ai payé 13 euros. Voilà, et donc, on va la ranger. J'ai acheté ceci, c'est pour Ivy. C'est un... Non, c'est pour les chiens, mais bon, c'est pour les animaux. Hein. Voilà. Je l'ai payé 3,99€. Elle va être super bien. Regardez, il est grand. Hein. Voilà, un petit tapis pour la puce. J'ai acheté ceci, 1,99€, parce que je ne pourrais pas mettre de sapin. Sinon, elle va... Elle me destroy toutes mes plantes. Bien, c'est la famille, hein, moi, regardez. Je destroy tout. Alors, voilà. Voilà du balou, alors ça je vais le donner à mon fils parce que moi ça va me prendre la tête. Et voilà, c'est même pas du métal, c'est du carton, bah bravo Sibi. Il y a les cocotiers, c'est que du carton, j'aime pas trop parce que les lampes LED. Alors en fait je pensais que c'était du métal, bah pas du tout. Je me suis fait avoir, c'est absolument pas du métal. Même la vendeuse je pensais que c'était du métal. Du coup c'est limite une cochonnerie. Et moi mettre ça avec ça, donc je vais le ramener parce que je le prendrai pas. Parce que la dernière fois, je vous explique, j'avais acheté ceci. Avec des petites... Une petite guirlande. Et dans, pour mettre dans mon sapin, la guirlande a chauffé. J'aurais pu mettre le feu. Donc j'ai ramené. J'ai un peu râlé. Ils m'ont dit que j'étais désolée. Et du coup, ça, bah, j'ai dit que je le ramène. Je me fais plus avoir maintenant. Ceci, mais ça, c'est pas encore le truc Halloween. Mais voilà, c'est pas la vidéo Halloween. Ceci, c'est pour les enfants qui vont venir. Mais j'en ai beaucoup. J'ai un petit seau, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai ceci, j'ai payé 1,99€. Cette petite boîte rouge, parce que je trouve qu'elle est très jolie, j'en ai une déjà argentée. Je l'ai payé 1,50€, je trouve qu'elle est sympa comme tout. Je vous montre, et j'ai chaud, hein, je vous jure. Voilà, elle est très bien. Bon, attendez, j'ai un peu chaud. Ouais, mais je peux pas. Alors, petit Père Noël. Voilà, juste un petit Père Noël, 1,59€, c'est dans les promos de la semaine, de cette semaine. Il est trop choupinou, il est trop mignon sur son petit, sa petite luge, il est trop mignon. Des petits sacs poubelles parce que bah, pour Ivy, ça nous change la vie un petit chaton. Hein. Pour Ivy tout simplement, pour... Son panier à crottes. Des chaussons pour mon fils, voilà, c'est un peu destroy. Je les ai payés 2,99€. Ou 1,99€, je crois. Une tablette de chocolat, 1,50€. Oh, elle est en train de... Je crois qu'elle va arriver à ouvrir la porte, je vous assure. Hein. C'est n'importe quoi, hein, mon chat. Elle, c'est aux noisettes. Noisettes, oiselnuts, je crois que c'est là. J'ai acheté bah, le même, hein, 1€ au coco. Il sent... C'est une pure tuerie, je l'adore. J'ai acheté ceci, c'est 1,99€, je crois. J'ai acheté ceci, c'est 1,10€. En fait, c'est pour mettre une bouteille. Ils font plein de boîtes frigo et je trouve que c'est pas mal du tout pour mettre dans le frigo. Elle fait des gros dégâts. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Elle est toute petite, mais... ceci, c'était le dernier. J'ai hésité parce que j'aime pas. Bon, ils sont super bons, mais je me demande c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. C'est lime et mint coconut infusion. Je pense que ça va lui plaire. Alors, je suis allée dans ma boutique Minimax.
Minimax, mais il fait le maximum. Il ne coûte rien du tout. Alors, j'ai acheté ceci. Voilà. Hop, un beau chapeau. Mais ça, c'est pour Halloween. Je suis invitée deux fois, mais je ne sais pas si je vais y aller. Alors, j'ai acheté ceci, 1,10€. Ça, c'est un... Bah, c'est pour mon décor Halloween hein, que je vais faire là. Après, je ne sais pas ce que fait ma fille. Voilà, vous voyez, regardez. Voilà, ceci. Hop. Pour Halloween, à la boutique Minimax. Mais j'ai fait le maximum. Du moins, elle sait qu'il me paye. Hein. Donc, voilà, j'ai acheté un petit squelette, 1,49€. Un petit. Faut que je l'installe. Hein. Voilà. Hop. Et voilà, voilà. Mais ça, c'est que pour mes vidéos. Hein. Voilà. On va lui mettre les pieds correctement. L'année dernière, je t'habillais en fantômette. J'avais fait avec un drap blanc. J'avais marqué des bouts derrière et tout. Ça faisait peur. Et j'avais des collants en squelette. Mourir de rire. Voilà. Voilà Arthur. Arthur. J'ai intérêt à le planquer, je vous assure, parce qu'il est grand. Hein. J'ai intérêt à le planquer parce qu'avant d'en faire un déjeuner de soleil, je m'en sers juste pour le décor, quoi. J'ai acheté ceci. Ça, c'est pour la vidéo spéciale. J'ai acheté ceci. C'est pour gonfler les ballons. Je trouve ça sympa. D'ailleurs, on va en gonfler un. Hein. Ça marche, hein. Non. Tous mes trucs d'Halloween, ils sont derrière. J'ai fait une installation. Voilà. Et ça a l'air de bien marcher, mon pote. J'ai acheté ceci parce que... Bon, ça, je vous raconte ma life. J'avais un problème avec mon chauffe-eau. Ils m'ont changé le chauffe-eau, mais ces imbéciles, je dis bien ces imbéciles, parce que ce matin, ça ne remarchait pas, ça a remarché après, bref. Ne m'ont pas mis de robinet. Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas de robinet. C'est nouveau, ça vient de sortir. Des guirlandes. Tout ça, c'est le décor que je vais faire. Hein. J'ai dû les payer 1€. Bref, vous allez voir comment elles sont. Elles sont noires. Et voilà. Ça, c'est pour mon décor. Halloween. Voilà. Ensuite, je suis allée à Conforama. Il y avait 50% sur plein de choses. Enfin, pas tout à fait, mais bon. J'ai trouvé que ceci, parce que j'ai refait ma salle de bain, le sol. La When Again, bien sûr, parce que j'ai pas de bricole. J'ai besoin d'un homme qui bricole. Donc, ceci, j'en ai pas. Non. Mais je m'en fous, j'en cherche pas. Voilà. 4,90€. Franchement, il est super. Il est super moelleux. Il est super épais. À Conforama, je l'ai acheté. Je ne savais pas qu'à Conforama, dans Paris, il y avait des tas de choses comme ça. J'ai acheté 1,50€ l'assiette. Franchement, sous assiette, elles sont magnifiques. Vous voyez, regardez. Là, c'est quoi ce bordel là? Voilà. Coucou, c'est bien. Voilà, 3€ les deux. Franchement, pas beaucoup. Hein. Et là, les 10 torchons, 3,90€. C'était vraiment des promotions, quoi. Hein. C'était vraiment... Et ça n'a pas l'air de la cochonnerie, parce qu'il n'y en avait plus du tout. Tout le monde en a pris. Je pense que sincèrement, c'est bien. Voilà, 3,50€ les 10. Après, je suis allée à Lidl. Alors, comme je vous ai expliqué que je faisais ma salle de bain, eh bien, voilà, j'ai acheté ceci. Parce que moi, je suis MacGyver, hein, when again, à la when, tout à la when again. Hein. Eh bien, je me suis dit, puisque mon fils ne sait pas bricoler et moi non plus, ça se lave en plus. Hein. Je l'ai mis sur mon sol, ça fait super sympa. Et je peux le découper comme je veux, ça se découpe en rien, quoi, avec un petit cutter. Voilà, ou même une paire de ciseaux. Donc, j'ai refait, il m'en manquait deux. Donc, j'ai eu la chance d'en retrouver. Par contre, je ne vous dis pas comment ça pue le vernis. Hein. Et j'ai trouvé Addict. Ma Amy adorée, ma chérie d'amour. Je l'ai trouvé. Alors, le gien or. 1% or. Le sérum. Je me suis dit, il faut vraiment que je l'essaye. Voyez, regardez. Voilà. Après, je dis pas que ça a une odeur. Non, ça va, c'est pas désagréable. Et la texture, attendez, j'en ai mis de trop. Hein. Et la texture.
Ça brille. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Maintenant, je vais tester. Si je ne le supporte pas, ben, je l'offrirai. Parce que les produits sien, ou le tien, ou le mien. Non, c'est le sien. Bon, ben d'accord, ben, c'est sien. Eh bien, les produits sien, les rouges à lèvres et tout, je ne les supporte pas. Ça me brûle. Par contre, là, non. Apparemment, ça sent bon. Hein. Non, c'est sympa. Voilà. Action. Alors, bien sûr, dans mon action de... Ils ont des vieux sacs, hein, ils n'ont pas les sacs automne parce que eux ils déballent des trucs de l'année dernière ou de je sais pas quoi, mais bon c'est une catastrophe. Alors mes choubidous d'amour, doubidoubidou, ah, chouchou, bibi, doudou. Alors ce soir 18h30, juste ah, comme ça c'est tout. Bisous mes choubidous d'amour, si ma vidéo vous a plu, un pouce. Si elle ne vous plaît pas, la 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 la, prends garde à toi. Et n'oubliez pas, actionnez la petite cloche, comme ça vous verrez. Ouais non, je ne suis pas une cloche, hein, mais bon, vous verrez mes prochaines vidéos. Bisous mes choubidous, je vous aime. I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Belbec, je ne sais plus comment on dit, je suis désolée, si vous pouvez me le mettre en commentaire comment on dit en arabe, je ne m'en rappelle pas. Voilà, bisous, I love you. À très bientôt et n'oubliez pas la prochaine vidéo, elle va dépoter, c'est moi qui vous le dis.